Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge et Magie, Brisage PA. On fait une Musamune, donc c'est un des nouveaux sabres qui ont été implantés avec Pandala. C'est un abonné qui m'a demandé de lui faire ça, c'est son item. Et il l'a fait juste parce qu'il voulait avoir le plaisir de voir un brisage là-dessus, et il m'a dit de faire absolument ce que je voulais avec l'item. Voilà. Donc, bah, ça va être un peu technique. Il y a les sangs en force qui vont vraiment être dépendants de la force qu'on a quand le PA tombe. Et pour le reste, bah, écoutez, on fera au mieux. On va essayer de maintenir un G aussi haut que possible. Je regarde un petit peu la tête du truc. Ça peut être intéressant de terminer par un crit à la Rasa. Si on a besoin. On verra. Allez, c'est parti. Commence plutôt bien. On va essayer de rester juste en dessous des G-Max. On peut y aller à la plus 1, là, c'est pas un problème. Ok, la force, j'ai presque envie de la spam comme ça. Je suis en sous-G sur la force, là. Je peux presque la monter. Après, si je reste aux alentours là, je pourrais jouer à la Pafo si je veux qu'au niveau des congruences, je puisse avoir du sang de force. Que choisir de faire? Je pense que je vais juste essayer de ne pas tomber en dessous des 70. Je vais rester là, mais je vais pas monter plus haut pour pouvoir peut-être avoir un peu de marge s'il faut. Ok. La Vita qui passe en sous-G. On va mettre ça à 14. Le tacle, on va le mettre à 9. Ouais. Continue à monter ça. Faudrait que le PA. Enfin, ouais, il faut vraiment que le PA tombe quand la force elle est propice, quoi, mais. Je vais la laisser comme elle est pour l'instant. Ok, 73. J'ai un peu peur de mettre le crit parce que là, s'il casse le PA, c'est un peu la sauce. On va mettre le tacle. Ok. Allez, on va mettre un dommage. Bon. PA qui ne veut pas tomber, manifestement. Ah, j'ai peur de mettre la passa en vrai. Tacle. Ouais. C'était la plus petite rune que j'avais à mettre. Bon, que faire de la force? On va demander un peu l'avis du chat. La force à nommer dans la sauce. J'ai presque envie de monter à 79, elle a pas faux. Franchement, j'ai pas trop d'autres options, sinon c'est dégueulasse. Hein. Bon, là, toute la fin de l'item est maxé, donc ça va plutôt mettre bien. Il y a le crit qu'il va falloir gérer. Là, je pense que là, c'est 79. Hein. Il n'y a pas d'autre choix. Sur une grosse ligne max, alors attendez, je vais peut-être compter le puits avant. Ça ressemble à du 0. Donc là, j'ai 94. Hop. Allez, de une qui passe, il m'en faut encore une à tout prix. Sinon c'est trop dégueulasse pour être joué. Yes. Franchement, c'est ok. Le reste de l'item est très bien. J'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je m'occupais de la Vita. En trois. Que je peux baisser avec une rune faux, qui peut peut-être crit dans le meilleur des mondes, ok. Mettre le crit. Ok, moins 20. Écoutez, c'est pas mal du tout en fait, c'est insane. Bon, il faut qu'on monte la force, hein. On n'a pas trop le choix, faut y aller. Il me reste 44 pour la force et la sagesse. C'est ok. Moins 20. 24 depuis. On peut mettre déjà là, c'est pas mal. Hein. On va y aller là, comme ça. Hop, les petits crits qui mettent bien. J'ai moins 9, reste 15. Écoutez, on va mettre une passa encore. Je pourrais mettre un... En vrai, je pourrais tenter le crit Rasa.
Mais bon, c'est l'item d'un abonné qui fait pas souvent des brisages et tout. Je vais pas lui mettre enfin une Rasa, je veux dire. Je vais pas lui mettre ça. On va faire une Passa. Ça passe. J'ai 6. Ça me fait 6 tant à faux. Franchement, l'item, je pense qu'il n'est pas simple à faire. Dommage, on n'aura pas le petit crit qui fait plaisir. Il m'a demandé de lui laisser 100 trans pour qu'il puisse trans comme il veut quand il le saura, parce que là, pour l'instant, il ne sait pas trop ce qu'il veut trans dessus, donc on va lui laisser 100 trans. Écoutez, bah, c'est la fin de ce brisage. Je crois que l'abonné est présent sur le chat, mais peut-être pas, il est peut-être un peu tard là. Voilà, bah, écoutez, merci à lui, merci à toi si tu regardes cette vidéo de m'avoir proposé de briser ce PA sur cet item, donc qui t'appartient et que je te rendrai dès que tu te connecteras. Franchement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, on a réussi à rattraper la force, ça c'est vraiment parce que j'ai voulu la maintenir basse. Hein. Si je l'avais montée à 90 pendant que j'étais en train d'essayer de faire tourner le PA, ça aurait pu être absolument ruiné. Là en fait, le fait d'être resté juste au-dessus de 70 nous a permis d'y aller à la double passa. Et franchement, franchement c'est pas mal. Voilà, donc un peu triste pour la sagesse, mais après c'est un item 150. Je suis pas sûr que sur le PVP à ce level, il y a beaucoup de personnes qui jouent vraiment sur le retrait. Donc c'est peut-être moins impactant pour un item de ce niveau que pour un item de 100. C'est un peu de, je pense que c'est quand même plutôt une réussite, on peut dire. Et on a quand même toutes les lignes du bas qui ont été perf dès la chute du PA. On n'a pas du tout eu besoin de toucher au pourcent dommage d'armes qui aurait pu mettre un peu dans la sauce. Donc franchement, on me dit qu'il est jouable au niveau 200. Ouais, ça peut être un plan. Il y a des gros dommages neutres quand même à 6 PA. Ouais, peut-être sur des modes CAC 200. Mais franchement, ouais, pour faire des vidéos YouTube avec une miniature putaclic, avec un CAC qui met des claques à 2500, mais de façon sérieuse pour du PVP, je pense qu'il y a quand même des alternatives bien plus intéressantes que ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.